Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Je fais mes petits réglages, pardon. Je suis ravie de vous retrouver pour cette complothèque numéro 10. Et pour cette complothèque numéro 10, j'ai choisi de vous présenter un tableau de 10 méchants qui veulent anéantir le monde. Et je vais donc vous donner leur carte d'identité et les moyens qu'ils mettraient en œuvre pour y parvenir. Donc voilà, à chaque fois ce sera qui sont-ils, comment vont-ils faire, après parfois on peut se poser la question mais pourquoi. Donc dans la complothèque ça regorge pas mal de théories. Alors les premiers sont les sages de Sion qui en fait ont pour but, donc ce sont des sages du peuple juif et leur objectif est très simple. Pour le peuple juif, si vous n'êtes pas juif, on vous appelle Goy. Donc en fait, leur but est de détruire tout le monde Goy. Comment comptent-ils s'y prendre? Utiliser les non-Goy les uns contre les autres, ni plus ni moins. Bon, alors après, il y a eu des vérifications qui ont été faites selon la méthode historique. Et il s'est avéré que le texte qui est à la base de cette théorie est en fait un faux. Donc, c'est plus, si vous voulez, semble-t-il, un texte qui a été pondu pour favoriser la montée de l'antisémitisme, particulièrement au XXe siècle. Mais il est encore cité aujourd'hui. Voilà. Alors, le deuxième grand méchant qui est souvent cité dans la complothèque, quand même, parce que c'est un peu le boss de tous, hein. Je vous le dis tout de suite, vrai ou pas, c'est à vous de choisir. C'est le diable, donc le diable, ennemi du plan divin. Il a à sa disposition les démons et personnes peu fiables qui lui auraient vendu leur âme, si c'était possible, j'ai envie de dire. Et il peut leur suggérer de faire tout ce que Dieu réprime, en fait. Donc, dans la complotosphère, il y a quand même toujours cette idée-là d'une entité maléfique qui gouverne un peu tous ces gens qui sont pas très gentils quand même, il faut le dire absolument. Troisième méchant qui donnera lieu à une chronique complètement à part, les Khazars. Parce que c'est très intéressant d'un point de vue historique. Et en fait, ça a été repris dans la complotosphère pas mal. C'est un peuple composé d'anciens païens qui se seraient convertis au judaïsme, selon les théories du complot, par opportunité ou par besoin de survie. Ce seraient notamment les descendants de Gengis Khan qui auraient un plan machiavélique visant à rétablir le tengrisme qui était leur religion initiale, mais dans laquelle on sacrifierait des êtres humains. D'où leurs implications dans à peu près toutes les mauvaises affaires qui peuvent exister de la complotosphère, l'adrénochromie, les raptes d'enfants pour la chasse aux enfants à balles réelles, les rituels où l'on mange des bébés chez son voisin Hannibal Lecter, l'esclavage dans le mannequinat, le MK Ultra pour s'approvisionner en jolies gonzesses, et pour finir, la mise en esclavage du monde entier pour prouver qu'ils sont les meilleurs. Rien que ça. C'est théorisé tout ça.
Bon, moi je me dis perso, c'est une théorie qui semble bien arranger les antisémites parce qu'en fait elle leur permet de déverser leur bile anti-juif tout en épargnant le Christ qui était juif lui-même. Vous comprenez la petite subtilité? Donc finalement, on voit comment en écrasant tout ce qui n'est pas casar et en réinstaurant par la peur, la drogue, le sexe, la guerre, leur religion initiale, ils sont prêts à tout. C'est vrai qu'il n'y a qu'eux qui ont l'apanage des comportements les plus déviants de l'humanité. Bon, vous aurez compris mon point de vue, là-dessus, je suis... Voilà. Bon. Quatrième grand méchant, alors les Illuminati, société secrète née en Bavière, les Illuminati sont revenus à la mode grâce au roman de Dan Brown, Da Vinci Code. Effectivement, ce serait un ennemi secret de la religion catholique. Leur but est très simple, pervertir le monde pour rendre les catholiques fous en raison de la vengeance de l'ancien grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay ou Jacques Molay, ça dépend des sources, comment ils l'appellent, qui aurait été tué injustement car trop puissant. En tant que grand maître de l'ordre des Templiers, il n'était redevable qu'envers le pape. Et il avait aussi une puissance tant armée que monétaire à sa disposition. Bon, les historiens ont analysé ça sous l'angle des jeux de pouvoir, notamment du roi de France, mais pas du tout sous cet angle que je vous énumère ici en complothèque. Hein. Donc en fait, comme il était trop puissant et qu'il pratiquait des rituels occultes, dont le plus insupportable consiste à une pratique sexuelle en couple devant des adeptes afin de vénérer la vie, si j'ai bien compris le truc, qui justifierait un rejet de la mort et de la croix du Christ qui rappellerait trop la mort. C'est l'analyse qu'on peut faire des théories qui sont véhiculées. Ce n'est pas du tout une analyse qui est une vérité absolue, je vous le rappelle. Donc voilà, ils ont préféré les Illuminati mettre sur pied cette thèse pour embêter les catholiques, réécrire une histoire secrète selon laquelle le Christ aurait eu des enfants avec Marie-Madeleine qui était restée cachée aux yeux du monde et de l'Église, puisque Marie-Madeleine aurait été beaucoup trop puissante face à un... Pierre apôtre trop jaloux, rien que ça, et du coup les Illuminati ont pris le contrôle du monde par l'argent notamment, et leur emblème est une pyramide avec un œil en son centre, symbole que l'on retrouve assez fréquemment dans les édifices et objets de tout style, hein. Souvent les objets sont siglés, bon ben là celui de la pyramide avec un œil en son centre. Revenant souvent, on l'associe toujours à la même conspiration. Les écrits d'Albert Pike, tels que Pawn in the Game, et de Adam Weishaupt, tels que Morals and Dogma, seraient les bases de la mise à jour de la doctrine. Bon, c'est un peu moins funky et glamour que le livre de Dan Brown, mais leur but est de rassembler tous les ennemis du catholicisme pour y mettre fin. Il serait donc adepte du fameux dicton « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, Machiavel n'a qu'à bien se tenir. » Dans la même catégorie de sociétés secrètes prétendument subversives et dangereuses, les francs-maçons, qui sont eux passés de confréries sympas de type construisant un temple au roi Salomon, à une confrérie de corps et métiers bâtissant les cathédrales du Moyen-Âge, puis, ensuite, il serait devenu un cercle philosophique qui remettrait en cause l'ordre féodal, précurseur de la Révolution française, mais qui, du coup, ont fomenté des coups tordus. On peut peut-être prêter une sorte de main tendue aux Khazars et aux Illuminati, tant qu'on y est, et ils sont quand même responsables de beaucoup de maux de l'humanité quand on écoute les thèses du complot qui sont relayées. Je pense que les Khazars prennent plus cher quand même, mais bon, ils sont pas mal aussi. Donc, ils souhaiteraient eux aussi dominer le monde, selon la version complotiste, mais on ne sait pas trop pourquoi. En fait, contrairement aux Khazars qui ont un but, réinstaurer leur religion, les francs-maçons, on ne comprend pas trop.
C'est quoi le but en fait? J'ai pas trouvé de théorie complotiste qui l'expliquerait vraiment, mis à part la mise à bas de toutes les valeurs morales et spirituelles. Donc voilà. En réalité, de nos jours, si vous faites un peu de recherche, c'est un cercle fermé d'initiés qui parfois se livre à des malversations, il est vrai. Cela dépend de la loge et de l'obédience, enfin plus de la loge que de l'obédience d'ailleurs. Et finalement, ils réfléchissent à leur vision du monde entre culture et savoir sauvegarder, loin des regards indiscrets, plus vraisemblablement peut-être aussi pour se protéger des fous quand on lit certains textes qui peuvent sortir sur ce sujet. Donc, voilà. Effectivement, est-ce qu'on pourrait mettre entre les mains de n'importe qui des savoirs et réflexions? Et est-ce que tout le monde serait capable de faire un bon usage de la confraternité et de ses valeurs? Quand on lit les textes que je viens de vous énumérer au-dessus, on peut valablement en douter. Donc on ne sait pas trop hein, quel est leur but, mais mise à jour importante depuis Dan Brown, ils seraient infiltrés par les Illuminati qui les utiliseraient pardon, pour faire des trucs pas très nets. Peut-être. Bon, moi je trouve que ces arguments sont peu convaincants au regard des écrits plus sérieux sur le thème. Un des francs-maçons médiatisés en France, c'est Alain Bauer, qui est un professeur criminologue habitué des plateaux télé. Bon, il a écrit pas mal de bouquins sur la franc-maçonnerie et la corruption dans la franc-maçonnerie, justement, que je vous ai mis en référence dans les livres de la semaine. Je vous ai mis aussi en référence les sites officiels des loges les plus connues quand vous googlisez. Si la question vous intéresse, vous pouvez vous y rendre. Et si vous avez envie d'écrire des choses absolument monstrueuses sur ces gens, vous pouvez aussi regarder les théories de Adam Weishaupt et Albert Pike que je vous ai également mis en référence. Bonsoir.